n'avais pas prévu de... Ah non, pas la musique, hein. Est-ce que... La musique de sortie... Déjà qu'on n'a pas de micro, on n'avait pas prévu de reprendre la parole après, donc on n'a pas de micro, le technicien est parti. Donc on va parler très fort. Déjà, il y a une personne qui manquait tout à l'heure sur scène parce que il n'était pas avec nous là-bas, c'est Alain Fromager qui nous a dit... Viens, allez. Bon, donc, en fait, la raison pour laquelle on est revenu, c'est que quand on a été boire un coup pendant que vous regardez le film, Pierre a dit, mais moi, j'ai pas parlé. Donc, vous voulez parler, donc la parole est à Pierre. Alors, après trois verres de vin pendant que vous regardiez le film, que nous l'avions déjà vu, je voulais vous dire que j'étais vraiment content d'avoir participé à ce film, pour être un peu plus sérieux. Non, je voulais pas absolument prendre la parole, mais j'avais un micro et je me sentais bête comme une potiche là, avec mon micro qui n'a servi à rien. Pour vous dire quand même que le personnage de Joseph est inspiré non seulement de Benoît, mais aussi de ses deux frères. Et que c'était un personnage en trois, donc je suis trois en un. Et si ça peut aider pour d'autres projets, je suis prêt. Qu'on parle du fils, c'est plutôt mes frères que moi. Moi, je suis beaucoup plus sympa que ça. En fait, c'était tout le problème de cette adaptation, c'est qu'on a dû, créer des conflits, on a dû tordre un peu la réalité qui était beaucoup trop, si vous voulez, la réalité était trop belle. Donc, je pense que si on avait raconté l'histoire telle qu'elle se passait réellement dans la vraie vie, ça aurait probablement au bout de 10 minutes été assez ennuyeux. Donc on a, avec Éléonore, essayé de trouver... Alors c'est très compliqué parce que quand on adapte la vie d'autres personnes, on peut facilement les abîmer. Mais alors, abîmer sa propre mère ou sa propre belle-mère, parce qu'il se trouve qu'Éléonore et moi vivons ensemble, ce qui rend les choses encore... Donc à un moment donné, ça a été assez compliqué à mettre en place parce qu'on avait... Alors j'ai décidé... Au début, on mettrait le maximum sur le fils, comme ça, une fois qu'on a fait ça, on est tranquille, on peut ne pas épargner trop les autres. Voilà. je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui a une voix qui porte assez pour poser une question ? Il y a une question ? Oui. Money. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un mois et demi d'avant-première. C'est la première fois qu'on pose la question. Ah, ouais, c'est la première fois. Mais je vous remercie pour la question, parce que c'est un film qui... alors, combien a coûté le film ? C'est un film qui, à la fois, a pas coûté cher par rapport à ce que coûte un film normalement, et on l'a fait avec une équipe plutôt réduite. On l'a fait dans des décors plutôt réduits, dans le sens où il n'y avait pas trop de décors, ce qui coûte beaucoup d'argent. Tout le monde a fait un effort. Et donc c'est un film qui a coûté 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais pour un film, c'est ce qu'on appelle un petit budget. Voilà. Je vais poser une question. Il y a Lionel qui veut poser une question. Oui, oui, je voudrais vous poser une question. Vous pensiez que ça allait coûter combien? Pardon? Ah donc on a trop d'argent là. Ah, yeah. Là on est douché quoi. Ah madame. Alors moi je voulais vous poser une question, mais surtout je voulais vous féliciter parce que je trouve que c'est pas un sujet facile et on a été captivés tout le temps. Donc ça doit pas être évident de chercher dans sa famille et de sortir des histoires comme ça. Donc c'est tellement exceptionnel qu'on ne s'est pas ennuyé. Mais c'est son histoire qui est exceptionnelle. Je voudrais quand même répéter ce que madame a dit. C'est exceptionnel. Je résume. Hein. Donc, ça ne va pas être facile. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que quand on part avec une histoire comme celle de Mohamed, déjà, il y a une bonne partie du chemin qui est fait. Après, je ne sais pas, Éléonore, si tu veux dire quelque chose sur l'adaptation. Oui, la matière première est déjà. C'était une espèce de conte de fées.
cette histoire, cette rencontre entre Mohammad et Marie-France dans la vraie vie, et donc Reza et France. Donc à partir de là, créer de la fiction, c'est, finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qui est formidable, c'est d'avoir cette matière documentaire, en fait. Et des trajectoires de vie qu'on n'imagine même pas, en fait, avant de rencontrer. C'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir changer de perspective grâce à ces rencontres. Moi aussi j'ai une question. Amel, t'es où? Parce que je te cherche depuis tout à l'heure. Amel est là-bas. Oh, mais d'accord. Comment tu voulais que je te trouve? C'est pas trois verres. Merci. Hein. Dites-nous. Moi j'ai une question à nous, madame. Est-ce que par rapport au verre de vin, est-ce qu'aujourd'hui votre entourage est au courant? Alors la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui l'entourage de Mohammad est au courant pour le vin? Non, pas du tout. C'est vrai en plus. C'est vrai. Et en plus il en boit beaucoup. Plus que nous. Non. Moi j'ai une question. Ah, et c'est le bordel. Est-ce que la famille de Mohammad va voir le film? Ah, bonne question. Est-ce que la famille de Mohammad va voir le film? Oui, ma famille, ils vont regarder le film le 20 décembre lorsque la sortie nationale à Lyon. Parce qu'aujourd'hui, ma famille habite dans banlieue lyonnaise aujourd'hui. Parce qu'ils ont été... Parce qu'ils étaient évacués après la chute de Kaboul grâce à l'association Singa. Et j'accueille, ma famille a été évacuée en France. Aujourd'hui, ils habitent dans banlieue lyonnaise. Mohammad est-il une chance d'être ministre de l'éducation nationale en France? Désolé, je ne suis pas ministre de l'éducation. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose que ça me donne autant plaisir si j'étais ministre de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans l'association J'accueille. Reza, comment vous l'avez rencontré, comment vous l'avez trouvé? Nawid. Pourquoi tu me vois? On voit bien que tu es un acteur de théâtre. Non mais bon, moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur Reza. Nawid. Nawid. Nawid Elam. Alors Nawid, c'est une rencontre extraordinaire parce que au départ, quand j'ai décidé d'adapter ce livre, j'ai été voir Mohammad. Je lui ai dit, on va pas pouvoir, ce que je venais de vous dire, exactement raconter le livre dans le film. Donc on va faire une adaptation. Il y a des choses qui vont changer. Et je voudrais que tu sois d'accord avec cette idée. Il m'a dit, j'ai confiance en toi. Quand tu as écrit le livre, tu ne m'as pas trahi. Et donc la seule chose que je te demande, c'est pour jouer mon rôle, d'avoir un acteur qui soit non seulement afghan, pas syrien, pas d'un autre pays, mais afghan, et qui soit Hazara. Hazara, c'est l'ethnie de Mohammad, qui est une ethnie qui a un peu asiatique, qui a été persécutée depuis des siècles et qui est aujourd'hui une des cibles principales des talibans. Et donc, il tenait absolument à ce que ce film, en plus de raconter cette histoire de solidarité, comme je disais tout à l'heure, raconte aussi celle un peu du peuple Hazara. Et du coup, il m'a dit, voilà, je veux que ce soit un Hazara. Donc j'ai dit, ok. Une fois que j'avais dit ça, j'étais bien, parce qu'il fallait que je trouve un gars de 20 ans, qui parle français, mais pas trop, qu'il soit à l'aise devant la caméra, qui ait les papiers pour tourner dans le film, parce qu'on avait besoin de ça, et qu'il soit afghan et Hazara. Donc quand je l'ai dit à Aurore Broutin, que vous avez vu tout à l'heure, mais elle a dû partir, qui s'occupait du casting, en plus de jouer le rôle de la femme de ménage dans le film, elle est un peu tombée de sa chaise, parce qu'elle m'a dit, ok, ça c'est très compliqué. Et donc on a passé une annonce sur internet et... Tu l'as vu. C'est toi qui raconte la suite. Wow. Donc, tu parles fort là. Après j'ai vu l'annonce de Benoît sur internet, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il faut que j'utilise cette chance. J'ai postulé pour casting, j'ai passé le casting... avec Benoît, avec Aurore Broutin. Après, j'ai eu le pouvoir, j'ai eu la chance de pouvoir le rôle de Reza.
Bravo. Il était combien candidat? 400 candidats. Oh. Bah. Une chose, en fait, vous voyez comment Ahmad a réussi le Sciences Po, mais de réussir son casting là, c'est pareil. Alors, c'est pareil. Et t'es pâtissier. Pâtissier. Ouais, pas pâtissier. En fait, à l'époque, j'ai travaillé dans une pâtisserie. Bah voilà, après, je trouvais le casting là, et là, je fais des cours de cinéma et théâtre. Tout ça, c'est grâce à. Je crois cette belle aventure, cette belle expérience, cette belle rencontre a changé ma vie. M'a montré mon chemin. Et là, je trouvais mon chemin et je continuais ce chemin. Et je suis très content d'en être. Merci. Alors la musique, ouais. Alors la musique, donc, et on a une question à notre gauche sur la musique qui est remarquable. Ça. Je garde que quelques les choses les plus importantes. Non, alors il se trouve que c'est une grande fierté cette musique parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais lui aussi il avait autre chose à faire, il est parti. C'est Aurelio Cohen qui il se trouve est notre fils à tous les deux. Qui a fait cette musique. En fait, on est parti habiter aux États-Unis en 2014, et après avoir fini ses études, eu l'équivalent de son bac aux États-Unis, il a fait une école de musique à Boston, de musique de film, et à ce moment-là, il a composé un album de musique électronique que moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté pendant l'écriture du scénario, et au moment où le film s'est mis en marche, où on a commencé à savoir qu'on allait avoir le financement, il a fallu quand même 4 ans pour en arriver là. Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord pour faire la musique? C'était un pari énorme, il avait 21 ans à l'époque, il avait fait des courts-métrages, mais jamais de longs-métrages. Et voilà, donc ça a été un pari extraordinaire, parce qu'en même temps, il a composé beaucoup de variations de ses thèmes avant le tournage. Donc souvent, j'écoutais soit avant de tourner les scènes, soit même pendant parfois cette musique. Et c'est vrai que je suis d'accord, l'émotion, toute l'émotion surtout à la fin du film et tout, est en grande partie liée à la musique. Donc c'est... Il fait partie d'un collectif de rap, et il se trouve que Mohamed était vraiment fan de rap et que le rap a été vraiment son ouverture aussi et la musique de la fin. Et la musique de la fin. La chanson de la fin de rap, c'est Mohamed qui chante. Comme quoi, il n'y a pas besoin de micro pour des choses intéressantes. Hein. Mademoiselle. Est-ce que le scénario de l'histoire de Ava qui a abandonné son histoire pour rentrer notamment pour Sciences Po, c'est vrai? Ah, est-ce que la scène de Sciences Po, c'est vrai? Alors, une partie, c'est vrai. Et une deuxième partie, Benoît, il a fait un extrait de mon texte que je l'ai récité en 2018. À la sortie du livre de Mamad, ma mère et moi. Bouftenor, je ne sais pas si tu étais là. Mais c'est un texte que tu avais écrit. C'était un texte que j'ai écrit, j'ai préparé pour la sortie avec David, quand il est là-bas. Voilà, j'ai préparé un texte pour la sortie du livre en 2018. Et après, Benoît, il a utilisé un morceau de ce texte pour faire l'interview, l'entretien à Sciences Po. Et une deuxième partie, c'était à peu près la même chose. Mais sauf que la question sur Brexit, c'était pas Brexit, mais c'était plutôt sur la question de la vie politique en Afghanistan. Mais c'était à peu près la même chose, à peu près. T'as raconté ton histoire? J'ai raconté une partie de mon histoire et surtout ma motivation, pourquoi j'avais envie de faire Sciences Po. Et voilà, j'ai vraiment montré ma motivation, voilà. J'ai peut-être plus fort que dans le film. Il se passe aux arrêts. Merci, merci beaucoup. Dernière chose, à
Alors, pour vous, peut-être que les héros de film, ils sont Reza et France. Et moi, je veux remercier mes héros dans le film, qui sont des gens qui travaillent dans l'association. Et association Ichvan, qui ont accompagné Reza dans le film. Thibaut, qui est là, fondateur de Ichvan. Voilà. Et nous avons une famille accueillante, donc ils sont là dans notre salle, et encore d'autres personnes. Ce film, c'est un projet collectif. Et vous faites partie de notre histoire, parce que, voilà, même simplement pour venir regarder le film, ça nous aide pour travailler sur cette cause. Voilà, je remercie tout le monde. Benoît, j'accueille Pierre, tout le monde. Merci beaucoup. Incroyable. Là, c'est encore plus long, déjà 2000.